Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Émilie, journaliste de sport et coach sportif. Et aujourd'hui, j'ai prévu une petite séance cardio salsa. Donc, vous n'avez pas besoin d'être danseur ou danseuse pour faire cet entraînement. Au cours de cette séance, on va combiner des exercices de renforcement musculaire plutôt que cardio et des pas de base de salsa. On va commencer par un petit échauffement de 4 à 5 minutes et ensuite on rentrera dans un petit circuit de 4 groupes d'exercices. Donc, au cours de cet échauffement, on va enchaîner des mouvements différents pendant à peu près 30 secondes chacun. On va commencer avec un petit shuffle. Là, on pense à la respiration. On se détend. Et on saute d'un pied à l'autre en relâchant bien le haut du corps, mais en maintenant quand même les bras. Ensuite, on va passer à des petits pas de salsa basique sur place. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En bougeant le bassin. Alors, on échauffe le bassin et les fessiers. On contracte les abdos. Et on essaye d'échauffer un peu la colonne vertébrale en utilisant les omoplates. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sans les bras pour le moment. 5, 6, 7. 5, 6, 7, dernière fois, 5, 6, 7. On ascend les pieds, on lève les bras. On inspire, on étire le côté. On revient au milieu, on descend, on pousse vers le haut, l'autre côté. Et je vais me mettre de profil pour vous montrer le dernier. Les pieds toujours assemblés, vers le haut et vers l'arrière. Voilà, on réveille un peu le bas du dos en serrant les fessiers. On va maintenant échauffer les bras pour la salsa. Voilà, je vais chercher sur le côté, je ramène. De l'autre côté, je vais chercher, je ramène. Sans les pieds. Voilà, lent et contrôlé. On s'habitue au mouvement. Parce qu'ils seront dans les exercices de la séance. Voilà, maintenant on peut accélérer un petit peu. Bam, bam, côté, 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 côté. Avec les épaules et les omoplates. On va se mettre de profil ici, marcher sur les mains, hop, se mettre en planche et on tire la planche. On échauffe les abdos, les bras, les épaules. On tient encore un petit peu avant d'échauffer l'intérieur des cuisses, vous allez voir. On va amener maintenant le pied gauche à la main gauche. Voilà, ici de cette façon, pour étirer l'intérieur de la cuisse. On tient ici. On continue à respirer. Voilà, on peut faire des petits rebonds avec la musique. Rentrer dans un étirement balistique. On replace le pied gauche à côté du pied droit. On amène maintenant le pied droit à la main gauche. On inspire, on souffle. On étire ici l'intérieur de la cuisse. Petit rebond. On va assembler les pieds maintenant. Mountain climbers. On ramène le genou gauche au nombril, on tient, on replace. Genou droit, on replace. Gauche, on replace. Voilà, lent et contrôlé. Donc attention à bien aligner vos mains en dessous de vos épaules. Voilà, pensez à vous repousser du sol pour bien avoir une bonne tension dans les bras. L'arrière des cuisses, on va passer à des squats en ajoutant un mouvement de bras vers l'intérieur, l'extérieur. Inspirez, soufflez. On va en haut, bien un peu et hop. Adelante con la percusión. On accélère un peu, on va en haut. Ouais, on accélère les bras aussi, on met profil. Oups. Ok, dernier mouvement. Non, on va vraiment faire le pas de base de salsa sur place avec les bras et les pieds. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si vous n'êtes pas tout à fait sur la musique, c'est pas grave. Essayez vraiment d'utiliser tout votre corps pour le mouvement. Votre
travailler votre coordination, les abdos, le bassin. 5, 6, 7. Hop. Et c'est la fin de l'échauffement. N'hésitez pas à boire un petit coup d'eau avant de rentrer dans les exercices. Donc pour notre premier groupe d'exercices, on va commencer par un pas de basse de salsa pendant 30 secondes. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avant, arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avec les bras et le bassin. Sensuel et sexy. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Une belle posture droite. Très bien. Respirez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 15 secondes de récup. Et on aura un petit exercice du coup de renforcement musculaire qui sera les squats accompagnés des bras. On va baisser ici, fléchir le bassin, fléchir les genoux. Poussez un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière comme ceci. Montez, changez. C'est parti pour 45 secondes. Inspirez, soufflez quand vous remontez. On accélère un peu. On peut rajouter la tête en regardant vers l'arrière, vers le bras qui part vers l'arrière. Appuyez bien sur vos talons pour solliciter les fessiers. Après ceci, on va repasser à notre pas de basse de salsa pour le deuxième tour. Pensez à contracter les abdos en rentrant, en resserrant votre nombril vers votre colonne vertébrale. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, c'est parti, pas de basse de salsa. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va sur les pieds. On met le poids dessus, en avant et en arrière. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. On tient les 30 secondes, toujours en bougeant le bassin, les omoplates. Et oui, la danse, ça sculpte. 15 secondes de récup. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Marchez quelques secondes avant qu'on repasse à nos squats avec les bras. On va descendre ici. Bassin fléchi, genou fléchi. Les bras, c'est parti. Allez, on pousse. Comme si vous vouliez vraiment chercher à pousser l'air vers l'avant et vers l'arrière. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche encore. Allez, on tient. Les genoux bien par-dessus les pieds. La musique s'arrête, mais pas nous. Ok, c'est bon pour le deuxième tour. On va passer au prochain exercice, le prochain groupe de deux exercices. Pour ce second groupe, on va continuer avec le pas de basse de salsa, mais sur le côté cette fois-ci. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est pareil, mais sur le côté. Même timing, même chose pour les bras. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On utilise tout le corps. Le bassin, les abdos, les omoplates, pour travailler le dos. Les épaules pour jeter les bras et les ramener. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Ok, 15 secondes de récup comme tout à l'heure. Pour le prochain mouvement, on va bien écarter les pieds plus larges que les épaules. Le plus large possible d'ailleurs, tout en gardant l'équilibre. Pour le prochain, on va plier sur la jambe, toucher le sol d'un côté, venir au milieu, toucher de l'autre côté. Voilà, on reste bas. Et contrôler. Et on pousse jambes tendues, l'autre jambe tendue, bras derrière, on accélère un peu. Là, vous allez sentir dans les cuisses, si vous appuyez bien sur vos talons, vous le sentirez bien aussi dans vos fessiers, les abdos aussi travaillent, le dos. Inspirez, soufflez, on tient les 45 secondes avant de repasser à notre pas de basse de salsa sur le côté. Je vais rajouter un petit style de danseuse, on peut glisser la main, jeter. Hop, et hop, jette. Pas de basse de salsa. 1, 2, 3, 5, 6,
7, 2, 3, 6, 7. Ouais, sexy et sensuel. 3, 5, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Donc on essaye vraiment de ne pas aller loin sur le côté pour pouvoir mettre son poids rapidement sur sa jambe. C'est comme ça que les danseurs dansent rapidement. On va très vite mettre le poids sur le pied qui se déplace. 15 secondes de récup, bien mérité. On va repasser. Alors 45 secondes. Deux fentes sur le côté en restant bien basse. Récupérer un coup. On va partir. Et on va chercher le main derrière. On va se passer. L'autre jambe se tend, l'autre se fléchit. Allez, 45 secondes. On commence lent et contrôlé. On accélère à fur et à mesure. Et hop. C'est la dernière série. Hop. Et touche. Pousse, tend. Pousse. Touche le sol. Loin derrière, l'autre main. Plus que quelques secondes. C'est bon pour l'exercice 2. Au troisième. Ok, troisième groupe d'exercices, pas de base de salsa pour commencer. Côté croise, côté croise, côté croise, côté croise, côté croise, côté croise. Ouh, c'est pas comme moi. 5, 6, 7. Ouh. 5, 6, 7. Côté croise, côté croise. Les bras toujours pareils. 30 secondes comme les autres. Attention à pas trop avancer. 5, 6, 7, 15 secondes de récup. Et comme pour les deux autres, on aura un petit mouvement de renforcement de 45 secondes en ciblant surtout le bas du corps. En descendant, on va placer les mains sur les cuisses comme ceci. Et on aura petit rebond, côté rebond, assemble. Côté, assemble. Côté, assemble. Très bien, côté, assemble, dos droit. Côté, je vous montre sur le profil. Côté, assemble, dos droit, posture. On accélère un petit peu. Côté, 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 côté. On regarde ce rythme-là jusqu'à la fin. Sur la musique. Côté, rebond, côté, rebond. Les abdos resserrés. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ensuite, on va repasser à notre pas de base de salsa croisée cette fois-ci. Ok, c'est parti. Pas de salsa croisée. 1, 2, croise. 5, 6, croise. 2, croise. 5, 6, croise. 2, croise. 5, 6, croise. 2, croise. On bouge les omoplates derrière. On travaille le dos. 5, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Plus que 30 secondes. On va mettre petite récup de 15 secondes. 15 secondes de récup. Marchez un petit peu avant, on repasse à nos squats qui se déplacent sur les deux côtés. Hop, inspirez un coup, soufflez, descendez, main sur le haut des cuisses. On attend le bip et côté milieu. Lent pour commencer, on va accélérer petit à petit. On se met dessus avant de revenir, on met le poids sur la jambe, on vient la travailler de manière unilatérale. Et on va pouvoir accélérer un peu. Côté, assemble, côté, assemble, côté, assemble, côté, assemble. Hop, et hop, et hop. Encore, encore. Allez, c'est l'avant-dernier exercice, c'est la dernière série. On attend le bip. Très bien. Ok, plus qu'un exercice. Ok, donc le dernier exercice va être un tout petit peu plus intense pour bien puiser dans toutes les réserves d'énergie qui nous restent. On va faire cette fois-ci des checks en salsa. Donc on va pivoter sur la jambe. Check. Et devant, milieu, devant, milieu. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7.
6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 6, 7, et nous tiens. Si vous êtes un petit peu plus lent sur la musique, c'est pas grave. Le but c'est de bouger. 15 secondes de récup. On va se mettre en planche pour l'exercice B de ce groupe. Je vais descendre marcher sur mes mains. Ici j'attends le chrono pour vous montrer la suite. Tenez votre planche. On va ramener genou comme échauffement. Genou, côté, ramène, côté, ramène. Genou, genou, côté, côté. Genou, genou. Sur la musique, côté, côté. Genou, genou, côté, côté. Avec un petit rebond. Serrez les abdos. Poussez le sol avec vos bras. Côté, côté, genou. Côté, côté, allez, genou, genou, côté, côté, genou, genou, c'est l'avant-dernière série. Allez, et genou, genou, on repasse à notre salsa. No check, check, côté, côté, milieu, côté, milieu, côté, milieu, côté, côté. Rapide dans les pieds. Côté, côté. Donc quelques secondes avant la récup. Les abdos bien resserrés. Ça donnera plus de vitesse. Voilà, soufflez l'un. Dans la planche. Plus que 45 secondes de travail. On donne tout ce qui reste. Allez, on marche en main. Et genou, genou, côté, côté, même intensité que tout à l'heure. Genou, genou, allez, côté. Allez, même sur la musique. On tire jusqu'au bout. Soufflez. Allez, on est ensemble, on finit ensemble. Genou, genou, côté, côté, genou, genou. Très bien, bravo, vous venez pardon, de terminer cette petite séance cardio salsa. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu. Ça m'incitera à vous faire des vidéos dans ce style-là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.